apporter. Sans discuter, le PT jusqu'à sa joue. C'est le cas où les, c'est pas le PT du quoi. Quand il se console, c'est à cause.
Magic System. Ça nous vieillit, mais nous avons quand même des souvenirs. En 1999, on partait d'Adoumabo avec nos chansons de ghetto. On ne savait pas où ces chansons allaient nous amener. Et chaque fois que j'entends la mélodie de cette chanson, j'ai encore les images de la galère de Magic System à Adoumabo. C'est pourquoi je voudrais ce soir que nous la chantons ensemble pour rappeler cette Côte d'Ivoire qui était dans la paix. On va la chanter ensemble ce soir. On l'a chanté à San Pedro, on l'a chanté à Gagnoa, on l'a chanté à Man, à Forogo, à Bengourou. Ce soir, Abidjan doit faire la différence. On va chanter. On y va. Amoulangae, Nina, Mama, Amoulangae, Nina, Mama. Abidjan, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Abidjan, est-ce qu'on peut chanter ensemble? On va écouter Abidjan. Manassa, tu nous écoutes. On va écouter Abidjan. On y va. L'impression qu'à Cannes seulement on a plus de voix que les Abidjanais. On a dit à Korogo c'était meilleur que ça. À Gagnoa c'était mieux que ça. Bon, attends, on va essayer. On y va. Goûte. On écoute Abidjan, mon ami. Ok, on y va. On y va. Depuis tout à l'heure, j'ai remarqué que c'est à droite ici que ça bouge le plus, mon ami. Tu penses? C'est à droite ici que ça touche le pouce, Attends, écoute. Ça va ici. Ça va ici. Manacha, écoute la boîte, La gauche, on va voir tout le monde, les mains comme ça, tout le monde, Pepito. Tout le monde comme ça. On y va.
Merci. On va toujours rester dans le souvenir, Pépito. Est-ce qu'on peut aller? On va chanter ensemble. Je vais appeler tout le monde avec nous. On y va.
Ce soir, nous sommes tous réunis pour la paix. Je voudrais adresser un message très important à toute la jeunesse ce soir. Il faut que vous compreniez que l'avenir de la Côte d'Ivoire nous appartient. L'avenir de la Côte d'Ivoire est entre nos mains. C'est vrai qu'au niveau des politiciens, il y a la division, il y a des divergences d'opinion. Mais nous les jeunes, que faisons-nous pour notre pays? Soyons au-dessus de nos clivages politiques, religieux ou ethniques. Battons-nous pour la Côte d'Ivoire, pour notre chère patrie. Ce soir, il n'y a pas de LMP. Ce soir, il n'y a pas de RHDP. Ce soir, c'est la jeunesse ivoirienne qui est là, et c'est ça qui est la vérité. Pepito. Je vais demander pardon.
regarde à côté de toi, oh, celui qui est à côté, oh, il n'est pas du RHDP. Même s'il est LMP, oh, il faut serrer la main. Oh, oh, yeah. Est-ce que vous êtes d'accord tous pour la paix, oh? Nous construisons la Côte d'Ivoire, oh. On ne prend pas une seule main, on a besoin de toutes les mains. Allez, 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 allez. Pour le riche, pour le très pauvre.
ce soir, et je sais que de l'autre côté de Paris, les gens nous suivent, de l'autre côté du Ghana, du Bénin, du Togo. Je profite de l'antenne de la RTI pour m'adresser à tous nos amis artistes pour dire ce soir, toute la Côte d'Ivoire a une pensée pour eux. On les a pas oubliés. Je rappelle encore le message, il est temps que vous rentrez pour qu'ensemble nous aidons cette Côte d'Ivoire à guérir. Nous sommes des artistes. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous devons être à côté du peuple. Nous devons être aux côtés de ce peuple. Nous ne devons pas être aux côtés d'un politicien. Rentrez ensemble. Mettez vos différences à côté. Ce peuple-là nous a écoutés. Ce peuple-là, nous avons transmis son message. Nous avons parlé de ce peuple-là aux politiciens. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, au moment où le peuple a besoin de nous, nous tournons dos à ce peuple. Pour dire que nous avons des clivages politiques. Venez, nous allons aider la Côte d'Ivoire. Je lance encore mon message. Nous avons besoin de vous. Nous ne pouvons pas faire cette réconciliation sans votre contribution. Nous avons besoin de vous. Vous êtes indispensable au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Serge Kassi, John Yale, Paul Madis et tous ceux qui sont dehors, nous vous attendons ici en Côte d'Ivoire. Pépito, merci. Voilà mon ami d'enfance, à qui
C'est pour des paris
On va s'adresser à ce public. Sinon, tu peux venir. Laisse manager écouter se reposer. Ok. On va essayer. On y va. Don't sit there, love alone. Oh, baby.
Merci,
ivoirienne. Encore une fois, on vous répète, on vous le répète. La paix, la paix, la réconciliation, le pardon pour la Côte d'Ivoire. Au nom de la Côte d'Ivoire, merci. Au nom de la paix, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. 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 Et on est très heureux de les avoir parmi nous. Ne vous méprenez surtout pas, le message il est unique. Réconciliation entre les fils et les filles de ce pays. Hé, Abidjan, si tu veux voir une Côte d'Ivoire réconciliée, je veux t'entendre faire du bruit ce soir, s'il te plaît. En attendant l'installation de l'orchestre suivant, on va remercier également tous les artistes qui se sont succédés ici sur cette scène. Billy Billy, Rico, Yodé Siro, Les Galliers, Espoir 2000, Ismaël Isaac, Kajim, Spyro, Fadade, Magic System. On va faire du bruit pour tous ces artistes également, s'il vous plaît. On va remercier aussi nos autorités, sans qui cette caravane n'aurait pas lieu. On va saluer la présence encore une fois du ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Bandama Kakou Boris, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui, s'il vous plaît? Merci. Également, saluer et remercier aussi le comité d'organisation qui est à la tâche depuis San Pedro, Gagnoa, Mans, Korogo, Abengourou. Et aujourd'hui, on est fiers et heureux d'être à Abidjan parmi vous. On va remercier aussi, mention spéciale pour les forces de l'ordre. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les forces de l'ordre, s'il vous plaît? Les forces de l'ordre qui abattent un travail monstre pour que cette caravane puisse réconcilier vraiment les Ivoiriens. Et nous, on est très heureux, très fiers d'écrire cette partie de l'histoire. Alors, juste temps...
pas collé pour bas, on n'est pas collé là-bas. Mon premier ancêtre s'appelle Touré. Touré a été suivi par Fandek. Fandek a été suivi de Jeff. Jeff a été suivi de Jassa. Jassa a été suivi de Katele. Katele a été suivi par Soumakali. Soumakali suivi par Yalanko. Yalanko a été suivi par Fakoli Kumba. On est Fakoli là-bas. Allô, ça va faire mal, ça va faire mal.
serons ensemble et comme une nation unie. Toutes ces exactions, évitons l'ascension de toutes ces divisions. Faut que nous nous rassemblions, car c'est l'unique solution. Attention, attention à toutes ces divisions, et surtout évitons d'être les remontants. On fait quoi du média? Africa Unita, Africa Unita, my Africa Unita, et quand nous serons ensemble, comme les États-Unis. Babylon, no, 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 no
baguette, la 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 la. Rastafari, blanc à ce yard, blanc aux yeux, et ben nous blanc aux yeux. Oh, il se réveille à nous, oh, il se réveille à nous, réveille à nous, le silence résiste.
viens voir, toi qui parles sans savoir. Viens voir, viens voir, viens voir, toi qui parles sans savoir. Bamako, Abidjan ou Dakar, Sierra Leone, Namibie, Kenya. Viens voir. Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire. Pourquoi toujours les mêmes visages? Pourquoi toujours les mêmes reportages? Pourquoi toujours les mêmes commentaires? Allez écoutez, mon Afrique ne sera que ce serait effamé. Quand on les écoute, mon Afrique ne sera que combat et chant de mine. Viens voir. Viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir. Toi qui parles sans savoir. Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire. Pas un mot sur l'histoire de ce continent, sur les civilisations et les richesses d'antan. Aucun mot sur le sens des valeurs, des gens qui t'accueillent la main sur le cœur. Viens voir. Viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir. Toi qui parles sans savoir. Viens voir. Viens voir, toi tu passes sans savoir. Stop. Oui, Abidjan. Oui, la Côte d'Ivoire. Oui, l'Afrique. À chaque fois que nous chantons cette chanson en Occident, là-bas, nous disons que cette chanson est une invitation à tous ceux qui veulent visiter le continent africain. Nous leur disons que c'est bien sûr une invitation à tous ceux qui veulent parler du continent africain, parce que l'Afrique, ce n'est pas ce qu'on leur montre à la télévision. Nous disons que s'ils veulent connaître l'Afrique, et que s'ils veulent parler du continent africain, ils peuvent venir en Afrique, parce que l'Afrique ne refuse pas de visa. Ils peuvent venir, l'Afrique ne refuse pas de visa. Et de retour chez eux, ils parleront autrement du continent africain. Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire. Africa n'est pas ce qu'on te fait croire. Viens dans nos familles, viens dans nos villages. Tu sauras ce qu'est l'hospitalité, la chaleur, le sourire, la générosité. Viens voir ceux qui n'ont rien. Regarde comme ils savent donner, et tu repartiras riche. Tu ne pourras pas oublier. Viens voir. Viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir. Toi qui parles sans savoir. Viens voir, viens voir. Viens voir. Sans savoir.
Je suis malinqué, ils t'ont dit que tu es embêté. Mon papa était un djoula, mais nous là, nous sommes ivoiriens. Nous sommes des malinqués, nous sommes des satans. Nous sommes des xénophobes, nous sommes des coups. Nous sommes tous ivoiriens. Ils m'ont dit que je suis musulman,
Ils t'ont dit que tu es un chrétien. Mais nos ancêtres étaient animistes. Mais nous là, nous sommes africains. On n'oubliera pas l'Empire du Ghana. Nos parents parlent encore des cavaliers maudits. Sans oublier le royaume enchanté. Les guerriers chanteront toujours les propres matins. On respecte encore les boucliers zoulous. Le roi forgeron du Congo. Tout le monde connaît le royaume des Nubies. Sans oublier l'Empire d'Ethiopie. Rastafari. Poco qui est ivoirien, ne fâche tout ivoirien. A nous est africain, à nous est burkinabé, à nous est sénégalais, à nous est camerounais, à nous est éthiopien, à nous est congolais. Tous ces pays ont des richesses culturelles qui nous appartiennent. La mosquée de Djenné, le La Victoria, les dunes du Sahara, le bruit du Congo, les combats du Sénégal, la Réserve de la Comoué, le Mont Kilimanjaro. Je suis black américain, Africa. Je suis brésilien, Africa. Matinina, Africa. Guadeloupe, Africa. Havana, Africa. Dominica, Africa. Mr. Haïtia, Africa. Mr. Trinidad, Africa. Mr. Guyana, Africa. Monsieur Suriname, Africa. Monsieur Côte d'Ivoire, Africa. We are African, Africa. We're to be African, Africa. Nous sommes africains, Africa. Fiers d'être des africains, Africa. Africa together, yeah man, les villes paralysées, quand on est fâché, on brûle tout. Où est le sérieux? Arrêtez-moi tout ça là, on a déconné. On a déconné. Arrêtez-moi tout ça là, oh là là, on a déconné. On a déconné. We'll be right back.
Ameta do foko lokumba yana. Nanga no folo seni banyana. Ameta do fola sina banyana piya. Quand ça commence et que tu changes de camp, tu deviens automatiquement libérien ou bien ghanéen. Et sinon on t'appelle le Burkinabé ou bien on t'appelle le Namibien ou bien on t'appelle le Sierra Leone, tout simplement parce que tu as changé de camp. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Dans notre beau pays, on a déconné. Plus jamais ça, on a déconné. Plus jamais ça, on a déconné. Quand ça commence, que tu chantes quand tu deviens automatiquement le Tchani Mango. Oui, le persona non grata, parce que tu as changé de camp. Plus jamais ça, on a déconné. En Côte d'Ivoire, on a déconné. Plus jamais ça, on a déconné. Plus jamais ça, on a déconné. Plus jamais ça, on a déconné. On a déconné. Abidjan. Lorsque nous avons chanté ce morceau, nous avions juste, sinon nous venons juste de commencer à déconner. Et je pense que beaucoup d'artistes ivoiriens ont attiré l'attention des politiciens ivoiriens. Ils ont dit, oh, ça c'est des chanteurs, il faut les laisser dans leur coin là-bas. Ils se sont débrouillés, ils nous ont tirés jusqu'à... On a mis notre pays dans le trou, notre avenir dans le trou. Je pense que si on avait écouté les artistes, et je pense que si on écoute les artistes, sans prophétie aucune, nous pensons que les choses vont se passer autrement. Que nous avons un certain contact avec la température du peuple. Rastafari. Nous avons le devoir de réserver à nos enfants une Côte d'Ivoire stable, une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire qui est sur le chemin du développement. Parce que c'est cette Côte d'Ivoire-là que nos parents nous ont laissé. C'était juste un rappel par rapport à cette chanson. Nous pensons que nous pouvons prendre un nouveau départ. Oui, nous étions à l'intérieur du pays. Nous avons chanté, nous avons écouté le peuple. Nous avons vu le peuple. Nous pensons qu'il faut absolument que des gestes soient faits plutôt de chaque côté pour que la température baisse définitivement. Pour que nous, les jeunes Ivoiriens, Bété, Djoula, Guéré, Baoulé, toutes les ethnies confondues, que la jeunesse ivoirienne trouve enfin le chemin de la liberté économique, de la liberté totale. Rastafari. Thank you very much. Merci beaucoup. Yes.
disque One African Revolution. Celui-là il s'appelle African Revolution par l'éducation. You are doing it will open your eyes to the people situation. Go to school, my brother. I said go to school. You will understand very soon all the problems of your nation. We want a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution must be black people education. Go to school, man. There is the power to change your world. This understanding will help to make a better place. In your hand, my brother, there is the key to change this Africa. And if we don't unlock it soon, it will be lost to the government. I only got to know that I do. Candelubla le colila farafinu yo no olukata nyanyimi ninu banga chamana guvernera nyamima We want a revolution. Intelligent revolution must be black people education. So we want to revolution. Young people revolution. Intelligent revolution must be black people education. Why are we going to get out of Rastafari, la révolution africaine par l'éducation. Mettez les enfants à l'école et l'école changera l'Afrique. Rastafari, l'éducation. Come along, yeah. Put your bar out.
ube yala na mogo utala don mili nindo veye ube wela ya Dieu père voilà ton fils Dieu père sans son fils Dieu père voilà ton fils Dieu père c'est ton fils Dieu père voilà ton fils que nous adressons à la jeunesse africaine, particulièrement à la jeunesse ivoirienne, car depuis un moment, nous avons une impression concrète que la jeunesse africaine, sinon la jeunesse ivoirienne, est en train de changer l'image que nous ont laissé nos ancêtres. Dès que vous débarquez quelque part, des jeunes valides, bonne santé, plein. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils. Est-ce que si Samoritouré avait mendié, on allait garder notre dignité? Est-ce que si la reine Poku avait mendié, on allait garder notre dignité? Pour ne citer que cela. Rappelez-vous toujours que nous sommes descendants d'un peuple vaillant, un peuple qui est resté debout malgré l'esclavage et la colonisation. Nous sommes restés debout, ils sont restés debout, nous avons le devoir de rester debout, s'il vous plaît. Nama kodo nyanyene denu chena Ekole tiga denu chena Nama kodo kendo denu chena Bara tiga denu chena Ube yala yala mawa udala lolo Yepe pala ton fils Yepe se ton fils Yepe pala ton fils Yepe se ton fils Yepe voilà ton fils. Dieu Père, c'est ton fils. Dieu Père. Dieu Père, c'est ton fils. Dieu Père. Merci Abidjan, merci la Côte d'Ivoire, Rastafari, on est ensemble les gars. Oh, come on. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
connaître, la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser, avoir un bon métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien, on veut avoir cette vie ou un fin à sa fin. On veut quitter cette vie de quotidien pour de bon, on veut partir d'ici car nous sommes tous en train de baisser les fonds. Au fond du pays, quand le vent t'invite sur le chemin de l'épargne, un beau jour il décide de prendre son envol. Non, non, non. La plus flagrante, une des injustices historiques et une injustice qui mérite d'être dénoncée à la tribune de l'ONU. Les Occidentaux peuvent venir en Afrique où ils veulent, quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Mais dès que la jeunesse africaine a envie de bouger, on dit non, 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 reste ici, visa, bla bla bla, bla 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 bla. Et depuis les indépendances, tous les dirigeants occidentaux qui ont visité le continent africain, ils ont dit dans leur discours qu'ils aiment l'Afrique. Ils ont dit aussi que les Africains sont des amis. Alors si nous sommes des amis, que nos amis viennent chez nous quand ils veulent, où ils veulent, faire ce qu'ils veulent, il faut qu'ils nous donnent la possibilité d'aller chez eux quand on veut, où on veut, faire ce qu'on veut. Nous disons que c'est simplement un droit. Mais que loin de nous l'idée d'encourager la jeunesse africaine à partir du continent africain. Car si toute la jeunesse africaine se bat de l'Afrique, qui est-ce qui viendra changer l'Afrique à notre place? C'est pourquoi nous ne voulons aucunement encourager l'exode vers l'Europe ou l'Occident en général. Notre place est ici. Si nos parents étaient tous partis, qu'est-ce qu'on allait trouver sur place, les gars? Qu'est-ce qu'on allait trouver sur place? Voilà le message que nous tenons lorsque nous rencontrons la jeunesse africaine ou la diaspora. Ils ont pris nos plages et leurs sables dorés, mis l'animal en cage et battu nos forêts. Qu'est-ce qu'il nous reste quand on a les mêmes vies? On se prépare au voyage et on se jette dans le vide. Non, 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 non.
ta bonita yaka. Ta bonita yaka. Ta bonita yaka. Au catatambour, comment ça l'ennuyait faire? Mon canini, comment ça l'ennuyait faire? Au catatambour, comment ça l'ennuyait faire? Mon canini, comment ça l'ennuyait faire? Oh, ça, on y caille pas mal. Oh, 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 oh
ya fama tata. Rastafari. Merci beaucoup. Yeah, man. Juro kamen menge juro ya salala. 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 Woyo katyo alama. Juro kamen menge juro ya salala. Woyo katyo alama. Juro kamen menge juro ya salala. Nega baraka. Katele sava baraka. Nega seneka. Takalo sava seneka. Patron manaka wele saranya. Ne wani polisi la. Polisi cheko wangete. Wala jana merila. Jana mucheko rechas. Ne wani polisi la. Polisi cheko wangete. Wala jana merila. Jana mucheko rechas. Woyo Seneca, asanji sava Seneca. Ena wale misara laura, dobara na wale tango. Kunena sanu misara laura, patomba na kawele saranya. Nwani polisi la, polisi cheko angete. Angete. Nwani na meria, zana mucheko resha. Ne wani polisi la, polisi cheko angete. Angeti. Ne wajana mela, jana mucheko resha. Wala ikazo alama, juru kamemene juru ya salala. Wala ikazo alama, juru kamemene juru ya salala. Jana mucha koreshash. Wisi cheko anketi. Jana mucha kombabwa. C'est un morceau.
nous dédions ce soir à nos frères, aux frères de tous les Ivoiriens. Nous leur demandons de tout faire pour donner une image positive à leur corps. Nous pensons qu'avec cet effort, nous pourrons faire de notre pays un pays où il y a la sécurité totale. C'est un morceau que nous adressons aux faux FRC, les faux FRC. Je n'ai pas dit les vrais, j'ai dit les faux. Et c'est un morceau que nous adressons aussi aux faux Dozo. Nous pensons qu'il y a des vrais, ceux qui font la sécurité comme il faut, ceux qui ont envie de donner à notre pays une image positive. Je parle simplement de ceux qui raquettent et aussi sont rentrés dans vieux père, c'est ton fils, vieux père. Ah, comment on va faire? Il est important d'aider ceux qui sont devant nous à nous aider. Nous disons que notre pays ne sera en avance que si les petits bobos, les petits bobos, les petits bobos, les petits bobos sortent. Rastafari! Juro kamem menge juru yeskalala. 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 Oya yeskalala. Juro kamem menge juru yeskalala. Oya yeskalala. Juro kamem menge juru yeskalala. Oya. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne.
moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses les tigements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses, ce serait ton or. Moi je t'aide à mettre le général du roi. Ils ont pas changé le monde, plus rien ne me donne. De notre pays, car nous savons et nous pensons sincèrement que notre avenir se trouve dans la réconciliation. Alors nous avons fait le tour du pays, je le disais, nous avons écouté les populations, nous avons chanté la paix, la réconciliation. Nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que tous les Ivoiriens veulent aller à la réconciliation. C'est que les Ivoiriens ne veulent plus tomber dans le trou dans lequel ils étaient. Alors nous disons que nous avons noté des choses dans notre livre blanc. Nous demandons officiellement audience au président de la République de Côte d'Ivoire pour lui transmettre ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et ce que nous souhaitons pour notre pays. Que vous soyez Bété ou Djoula ou Baoulé, nous avons les mêmes problèmes. Les Baoulé, les Djoula d'Abobo ou d'Adjamé ont les mêmes problèmes. Alors ils doivent se mettre ensemble pour chercher les mêmes solutions ensemble. Rastafari! Merci beaucoup, on entend très très fort les musiciens. Rastafari! Nous disons que le contenu de notre livre blanc, il est envers, sinon c'est notre proposition par rapport à la mission qui nous a été confiée. Nous souhaitons un apaisement, car s'il n'y a pas d'apaisement total, il n'y a pas d'investissement, sinon investisseur. S'il n'y a pas d'investisseur, il n'y aura pas d'emploi. S'il n'y aura pas d'emploi, alors les Ivoiriens n'auront pas à manger. Est-ce que c'est ce que nous voulons réserver à nos enfants? Rastafari! Nous souhaitons un apaisement de tous les côtés. Que les attaques cessent. Et qu'un pas soit fait en avant par les dirigeants. Rastafari! Yeah,
Alors nous allons continuer toujours, et le message reste le même. Unité, réconciliation entre les fils de ce pays. Hey, public d'Abidjan, si t'es là, je veux t'entendre faire du bruit ce soir pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes là jusqu'à midi. Est-ce que vous êtes prêts à être là avec nous jusqu'à midi ce soir? Est-ce que vous avez assez d'énergie pour être encore là? Jusqu'à midi, les gars. Alors, on a vu tout ce qu'il y a de talent en Côte d'Ivoire pour un seul message, la paix, l'union. Vivons ensemble, vivons unis. C'est ce qui rendra notre nation plus forte, tout simplement. Au passage, on va demander s'il vous plaît à monsieur Koula Mombléiné Roland Donatien de venir au bas de la scène pour avoir ses papiers, que sont sa carte nationale d'identité et sa carte bancaire. Monsieur Koula Mombléiné Roland Donatien. Abidjan, est-ce que vous êtes toujours là ce soir? Il y a toujours des fils de Dja ici ce soir. Les fils de Dja sont toujours là ce soir.